Qu'est-ce qui te fait rire, mon petit Anou? Regarde ton chat. Allez, je suis même pas encore arrivé dessus. Oh là là! Alors, qui est-ce qui fait des bêtises? Salut, l'Anou! Et ça te fait rire. Beaucoup. Et tu manques de distraction, l'Anou, je crois bien. non. Bon. Le temps que t'arrives, je vais refaire la mission une fois de plus. Allez, bienvenue à tous, hein, voilà, c'est le stream sur Retour sur Wave, comme d'habitude. Il fait ça l'arrache. Ah, non. C'est plutôt à quel moment je fais pas ça l'arrache. Entre jamais et néant. Entre jamais et toujours. Alors, l'anneau is connected. Toi t'es mort. Toi t'es mort. Toi t'es mort. Toi, t'es doublement mort. Bon, du coup, mesdames et messieurs, j'ai abandonné le kayak pour l'arc, hein, définitivement. Oh. Plus. Il est malade. Les compétences sont bien moins chères à farmer, donc beaucoup moins de farm. Du coup, tu penses que je suis moins malade, c'est ça? Je pense que tout d'un coup, oui. Comme ça, j'ai pu à peine farmer. Oui, puisque enfin, la semaine passée, j'ai eu des soucis avec. J'ai voulu lancer Shadow Warrior 2 en stream. Et ça laguait de ouf dans tous les sens. Tous les sens. Ça m'a bien fait chier depuis le temps que j'avais hâte de faire ce jeu. Il y a un pélican qui s'intéresse un peu trop à moi.
Putain, mais ils sortent d'où ces putains de clubs? D'habitude, il y en a pas autant. Comme d'habitude. C'était comme d'habitude, ça va ranger. Avec tout ce bordel, j'ai pas perdu une seule flèche, ça. Et bah tant mieux. Et j'adore cette mission parce que tu fais la mission principale, là, celle du bunker là pour récupérer les pistons. Et tu t'écartes un peu tout ce qu'il y a autour et quand t'as fini tu crochettes la voiture pour avoir la clé à molette là. Et instant tu quittes, comme ça tu valides la quête annexe pour avoir un peu plus d'XP et tu rookes aucun mob de la vague. C'est génial. Ça veut dire je pourrais pas en faire plus d'XP. Allez, un petit crochetage et c'est fini. Il faut faire attention parce que la dernière fois je me suis fait avoir parce que je crochette la voiture et à ce moment-là il y a un nocturne qui spawn. Et du coup je me suis fait niquer, je peux plus m'échapper tout de suite. C'est ballot. Allez, on en était où? Il fallait qu'on monte le camp. Et là, le camp, il va nous dire je veux encore des pistons pour monter mes niveaux. opération. Ah, mais non, j'avais fini de tout monter. Ou c'est toi qui a fini de tout monter, mon Tijanou? Non. Ah, bah c'est moi alors. Je me suis pas reconnecté depuis la dernière fois. Le temps de farmer sur Auto Survive 2. Tous les pièges, on pourrait les améliorer. Ok. Ah, mais ça doit être une flèche à toi. T'as essayé de chasser un lapin, mon petit Lenou? Non. Bizarre. Un lapin zombie, peut-être? Non. Non. J'ai trouvé de la viande de lapin avec une flèche. Je me suis dit... Une flèche, c'est fort possible parce que j'ai tué un zombie qui s'était en train de s'acharner sur la palissade. Ouais, je me suis arrêté expert en mêlée 5 et là, je suis expert en au tir à l'arc 5 et je suis en train de le monter 6 parce que ça coûte deux fois moins de points d'XP. Tous les trucs de survie, je les ai montés, ça c'est bon.
Je vais pas monter le cardio, mais ce que j'ai me suffit pour l'instant, ouais, donc. Moi je monte tout, hein. Ah bah moi je monte que ce qui m'est nécessaire. Comme ça j'ai pas besoin de farmer autant que possible. Voilà. Donc, d'après ma petite feuille magique, on a une quête niveau 35 à Madison, une quête niveau 35 à l'inconnu, et le pylône à faire. Je sais pas, t'es niveau combien, toi? Je me suis mis 35 quand même. Non, si. J'améliore l'armure. Non, je suis 34. J'améliore le coffre. Oui, t'as dû te mettre 44 et je viens juste de faire passer le truc niveau 35. Ouais, tu vois, j'ai bien fait de refaire la quête une fois quand même. Ça va là. Ça va là. Ça, je garde. Je vais poser un tournevis parce que j'en ai pas besoin de deux. Un couteau J'ai quoi comme arc encore? The Razor Wing, ouais, c'est ça. Oula! Wouhou! Au prochain niveau, on pourra faire des balles explosives. Je me casse! On était tombé sur quoi? Un ours zombie et un cerf zombie. Il est loin. Oh merde, il est loin. Je serais bien. J'y serais bien allé comme un bourrin. Alors. Ah non, quand j'ai les deux à la fois, non. Il est où mon petit là? Ah, il est là. Ils étaient où sur la droite? Oh, quelque part par là, au-dessus. J'entends. Faut l'achever.
Et encore une flèche sur l'ours. Une flèche là, là aussi. Bah, je la récupère. Vraiment plus d'une flèche, hein. J'en ai trois à toi. Ben, il m'en manque 5 encore. Quatre. Je t'ai Sorti de rendu les trois d'un. là. Alors, en vrai, il m'en manque qu'une seule, mais elle doit être quelque part par là. Non, moi ce côté-là j'ai tout fait, j'ai rien vu. Contre les parois, non. Mais si c'est une depuis le début, il y a celle que j'ai remis au camp que tu avais tiré contre la palissade aussi. Non, non, c'est à l'attaque de l'ours. Pourquoi j'entends un klaxon alors qu'on est à perpète du camp? C'est la quête de Madison la dernière fois avec les ours qu'on avait galéré, non? En plus. C'est bien. Dit très bien. Des punchs et des bulles. Il faut qu'on aille fouiller un magasin de BD pour Madison. Salut Torota. J'ai lancé. J'ai lancé. Oula. Mettre mon téléphone à charger parce que j'ai plus trop de batterie. Le petit bruit qui indique que petit Lenou il m'a petit rejoint. Je parle le petit. Je dis petit dans toutes mes phrases. Eh ben, elle n'a pas fini. Exactement, petit. Bah toi, t'es expert à 5, 6 en tir à l'arc, non? Je sais pas. J'ai récupéré une flèche à toi. Attention, coco. Vas-y, je joue là-bas. J'ai juste mes flèches. Donc si tu récupères toutes les autres, normalement tu devrais être bon. Il y en a une là, là. Ici, là, au-dessus. Il t'en manque encore? Non. Oui, c'est fermé ici.
Merde. T'as une flèche à côté du chien. Ouais, mais j'ai des zombies au cul. Ouais, je sais, j'ai vu ça. Vu le A et le bruit que j'ai entendu derrière, toi, t'as croisé un pélican. Des plantes. Ah, coucou. Merde, elle est où? T'as perdu une flèche? Tu l'as trouvé? Je sais d'où on arrive. Alors pour moi, c'est des cul-de-sac partout. Se trouve, il fallait qu'on sorte par l'échelle par laquelle on a commencé. Attends, je vais aller voir. Ouais, que ça va faire, de toute façon. Ouais. Non, on peut pas la prendre l'échelle. On a dû rater une couche d'égout par là, là. Quelque part. Ou un truc à déplacer, mais il apparaît pas sur la carte, donc ça m'étonnerait. C'est de ce côté-là, ok. Ah bah là, pfff. Couche d'égout, c'est ce que je disais. Ah oui.
l'ai ignoré, mais royalement. J'ai vu ça, j'ai vu ça. Ah mais c'est rapide ces cons là. Et il va pas le cibler quoi. Bon. On va peut-être me reprendre un peu de soin du coup. Tu es pour moi. Oh, fais gaffe, lui, il arrive. Allez, passe. Celle-ci, elle est gratuite. Ouais, j'ai un autre crocodile qui spawn derrière, j'ai l'impression. Ouais, il arrive. Il y en a un autre quelque part, il est pas loin. Oui, il est juste là. Bref. Tu veux qu'on aille faire la porte où il y a le zombie qui tape ou... Bah ouais, tiens. Putain, j'ai rien à boire. Aïe, bah tiens. Tu fais bouffer par croco. Ouais, bah c'est toi qui fais la passe, et toi. Hein. Il est où ce con là? Il faut que tu restes dans l'eau jusqu'à ce qu'il sorte. Là, il est derrière toi. En fait, faut vraiment que t'attendes qu'il t'attaque. Hein. Il est derrière toi. Il arrive. Hein? Qu'est-ce qu'il... récupérer tes flèches. Ouais. De l'autre côté, c'était une sortie en dessous aussi. Aussi. Je vais passer par en dessous, moi, tiens. Perdu une flèche dans ce foutoir. Eh ben, je me suis bien tiré. Et y en a un de mon côté, il s'en fout de ma gueule. Hein. Il veut que ton cul à toi. Ouais, tiens, meurs, connard. T'apprendras à m'ignorer.
Ok. J'arrive. Il n'y avait rien de ton côté? Oui, il faut une clé de sécurité pour ouvrir. D'où le double chemin, je suppose. Je regarde dans les maisons qui sont là. Nocturne. Ouais, je suis enfermé dans une maison dans laquelle ils peuvent pas rentrer donc. En flèche pour les tuer nocturne. Il est où? Non, il a spawn dans la maison et il s'est direct rushé sur toi. Pas de chance pour lui, c'est le jour qui arrive. Et il est mort. Et la troisième, elle est là. À mes pieds. Moi, j'avais 4 par terre. Il y en a une contre le contre les briques. Encore une par terre. Ici, il y en a une là. Voilà. Moi, j'en ai plus une contre le mur là-bas, mais comme je l'ai tiré un peu dans le vide, je suis sûr qu'elle est partie n'importe comment. Je trouve un truc à boire. Moi, je ne consomme plus que de la chicha morada. Le problème c'est que je suis à 16% et que j'ai rien à boire. ouais, pas de soucis. Si tout retard, j'irai voir le MP Discord plus tard parce que ouais, j'y ai pas accès déjà.
Là, il faut une clé de sécurité aussi. Ah, mais... Fais gaffe, il en reste un là. Le monsieur avait une jante en aluminium, ok. Il dit qu'il y a une voiture sur un parking, je suppose que c'était de ton côté. Non. De toute façon, je vais aller voir de ton côté parce que j'y suis pas allé. Ah oui, j'ai juste un coffre avec la clé de sécurité. Ah, j'ai trouvé une de tes flèches. Bah, ça tombe bien. Ah mais encore une autre sortie là. Ah non. C'est la sortie de base, ok. C'est la foule, allez. Ce qui m'étonne, c'est qu'au-dessus, il y a encore une zone. Oh putain, mais je suis débile. Reviens, c'était là où on était, hein, c'était vers la groupie. En fait, en regardant bien la map, on voit qu'il y a une sortie sur le côté. Sorti sur le côté. Oui, rentre dans le bâtiment là. Ah, dans ce bâtiment-là. En fait, c'est là où il y avait le nocturne, c'est ici là. Ah oui, mais j'ai pas été là, oui. Ah, mais moi non plus. Tiens, une flèche à toi. Allez, le clébard. Attends, bouge pas. Ah là, je t'ai eu. Ah, tu m'as fait tirer dans le vide.
Un connard là nous. Je sais. Mais tu t'en remettras. Je sais pas, je suis pas sûr. Ouais, c'est sûr que t'es au moins le truc niveau 6, parce que moi, eh, le temps que tu tires deux flèches, j'en tire à peine une. Il y a un gros qui arrive. Encore que t'as dû me piquer pas mal de flèches. On est deux à toi. Et on manque 5. Parler avec groupie solitaire. Ouais, faut passer par la droite. Mais ce truc là sert à rien. On part peut-être à bloquer. Ah si, c'est pour monter là. Si, tu montes pas sur la camionnette là. Ah tiens, il y avait une flèche ici. Et une autre ici. Tu dis que t'en avais deux à moi, donc il doit y en avoir encore une qui traîne. Ouais, j'en sais rien. T'as récupéré celle sur le chien, t'en feras une de moi. J'en ai pas récupéré. Ah si, elle est là. Parce que c'est moi qui ai tué le chien et du coup toi t'as tiré en... dans le vide. Là, il m'explique mon compte de flèches. Ouais, il me manque encore deux. Bon. Ouais, bon. Il y en a une, je l'avais perdu plus tôt dans le niveau. Et... ouais, je suis à 4%. Ouais, tant pis, je vais manger ça quand même. Ça 18, elle est où ma deuxième? Là. Ok, c'est bon. Alors le truc était ici. Dans le parking, dans le premier parking en sortant de la rue où on était à droite, il y a une bouche d'égout.
Les BD! Ah, bah voilà, ça suffit. Par contre, j'en ai trouvé 4. Elle est où la dernière? Elle est là. Mais avant de partir, comme on a la clé de sécurité. Passer par l'autre échelle et aller voir le coffre. Tu y es avant moi. Même pas fait exprès. Oh, c'est celui qui va finir. Oh, des lingots d'argent. Ça, c'est cool. Ça, c'est pour faire les munitions d'argent après. Là, ça va douiller. Hein. Ça va douiller. Ça va douiller pour les zombards. Va doudou, ça va doudou. Comme je le pensais, prochaine mission 36. Non, je suis pas 6 avec expert à l'arc parce qu'il faudrait que je sois à 35 fois 6. C'est peut-être parce que... Ouais, j'en sais rien. Ah, mais si, c'est peut-être parce que j'étais complètement mort de soif. Ah, ça peut jouer largement, oui.
Ok, faut que je me refasse des bandages tout de suite avant d'oublier. De toute façon, il va falloir qu'on aille. Je vais lancer la prochaine quête, hein, là. Il va falloir qu'on aille. Va y arriver. Ah, je m'arrête parce qu'il y a les zombies qui me tombent dessus. Il va falloir qu'on refasse la quête des pistons parce que je les ai utilisés pour augmenter le coffre et l'armurerie et j'en ai plus et il m'en faut pour améliorer le pylône avant de faire la quête. Et je sais ce que j'ai oublié, c'est de prendre à boire. Alors, on a quoi dans ce coffre-là? Rappelle-moi, c'est quoi, c'est qui la quête des pistons? Celle du bunker, je sais plus ce que c'est. Et en récompense les pistons. Non, t'as un objectif d'en ramasser un. Et mais attends, on la fera après là, nous. Mais attention, on va la faire chacun de notre côté pour. Oui, mais il y a une autre quête à faire avant. La panic room. Ouais, c'est ça. La quête de l'inconnu. Hop là, une viande de lapin, une. Elle s'appelle Leslie, voilà. Elle est bien bavarde, Leslie. Ouais, bon, en gros, elle dit que elle était. C'était une compagne. Elle faisait partie de l'équipe de Kenji, qu'elle s'est fait passer pour morte quand Kovac a essayé de la tuer pour. Et que son but, c'est de couper le signal de Kovac pour plus qu'il attire d'autres survivants pour faire son sale boulot à sa place. Hey. Et c'est une mission où on n'a pas le droit de mourir. Oh, Ah! têtu. Allô, ici Trouille? Non, allô, ici Petit Con et Grand Lanou. Petit Seb et Petit Lanou.
Ouais, je sais plus ce que je dis à force. Ça va, Christella? Bah, vas-y, fouille, elle reste avec moi. Oh! Résistant! Ouais, ils sont armurés. T'as oublié une flèche sur le premier zombie. Ça va toujours bien, Christella? Il y a une flèche à mes pieds, là, devant moi. D'en avoir une autre quelque part, je pense par là. On va faire chier, allez hop. En vrai, je passe moins de temps à refarmer des flèches que à me faire suer. Essayez de pas vous perdre. Même si nous on est à l'arc et l'autre elle se balade avec son petit couteau là. J'espère qu'elle sait se battre en vrai. Parce que... T'as deux flèches là devant. Mais c'est parti si loin. Allez, hein. Bah, je récupère la tienne du coup. Ouais. Pas grave. Ouch, il a pété près de moi lui. Oh, kit de soins léger. Merci. C'est bon, je l'ai enfermé dans le conteneur, on peut fouiller. Encore un jeu de zombies. Alors, non, Shadow Warrior, c'est pas des zombies, c'est des démons. Mais c'est encore un jeu où on massacre des gens. Oui, je suis d'accord. Mais Il cette aime fois, on le massacrer fait. les gens. Mais cette fois, on le fait à deux, c'est pas pareil. Sinon, t'as le mode, je fais genre, mais non, c'est un jeu sur la coopération, l'entraide, on fend un camp pour sauver les gens et tout. Et on les laisse crever, comme ça nous on survit. Pardon. Et les choses, il vaut mieux pas les entendre. Ah, allez. Oh, ça te fait saigner des oreilles, mon petit Lenou. Les oreilles sensibles. Faut mieux les protéger. Le mec bâtard jusqu'au bout. Oh, ça se résume en un mot, hein. Non, deux. Je suis sûr que tu les connais. Non, je vois pas du tout de quoi tu parles. Je crois au contraire, t'as très bien compris là où je voulais en venir. J'ai rien compris du tout. Je vais attendre qu'il tire une flèche pour la ramasser de nouveau, comme ça j'aurai récupéré mes flèches. Aïe! Genre, bah celle-ci, tiens. Elle est là. Ah, faut prendre les clébards. Y en a, y a, fais gaffe, il y en a un qui... Ah, bah non. J'allais dire, il y en a un qui te court après, du coup, j'avance vers lui pour l'intercepter. Bah, il a fait demi-tour hein, pour moi. Hein.
À bout d'un moment, quand même. Attends. Ça suffit le favoritisme. Oh putain, j'aurais pas dû tirer. Bon bah, j'ai perdu deux flèches. Parce que j'ai tiré à l'intérieur là, mais on peut pas y rentrer. Ah. RIP. Cette... Celui de l'anneau ou le mien? Qu'est-ce qu'il a fait à nous encore? Je trouve une boîte de gâteaux qui ressemble à des cookies. Des cookies. C'est des cookies de la cookie station. Des cookies t'adore. Des cookies t'adore. C'est ça, grogne sur place, comme ça j'ai le temps de viser, de mettre la deuxième flèche. C'est une très bonne question, savoir quel plus sadique entre nous deux. Pique pas mes flèches, toi. Pas toucher à ta flèche. Il m'en manque encore. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est vous? Ah mais non, c'est les deux que j'ai perdu tout à l'heure. Oh non, la deuxième est rentrée à l'intérieur encore. Fais chier. Je vais chercher madame, la rapprocher un petit peu parce que. C'est vrai qu'elle est. Je l'avais un peu oublié, moi. C'est elle qui nous donne la récompense à la fin, faudrait peut-être pas trop l'oublier. Elle disait oh le rire sadique et donc je demandais si c'était le tien ou le mien et apparemment c'est le tien. Allez, du coup je disais je sais pas quel est le plus sadique entre nous deux. Moi je suis sûr c'est l'anneau. C'est là qu'il faut que je réponde, bah, si ça t'aide à mieux dormir la nuit. Totalement. Je dors très... très pas bien la nuit en fait. Bon, allez, demi-tour, chercher la madame. Dix-sept, 18. Non mais meuf, en plus t'es teubé, t'essayes de passer à travers une porte là, hein, je te signale. Juste au cas où. Oui, du coup j'étais obligé d'y retourner une deuxième fois. En même temps, dans un cas comme ça, je ne pouvais que faire un rire sadique. Pardon.
Ah, là, un véhicule que je peux ouvrir. Je rentre à l'intérieur, madame va me suivre. Non, dans le camion, Service, madame. service. Allez, viens dans le camion. Voilà. Merde. Viens au fond du camion. Là, Hop. tu... Ah, la connasse. Ah Bah en fait je suis bloqué, j'arrive plus à bouger. là. Ah, c'est bon. Tiens, enfermé dans ton camion. Saleté. Ah. Partez. Tout ça pour l'amener jusqu'à une porte. Moi ce que j'adore dans ce... Enfin, ce que j'adore. De manière ironique, hein. Dans les genres de jeux, c'est que tu de zombies, c'est que tu finis toujours par trouver un PNJ hyper badass qui finit par avoir besoin d'être escorté. Le mec, c'est le plus fort au monde, plus fort que toi, plus fort que tout le monde, mais il faut que tu l'escortes. Ouais. Non mais il n'y a rien dans ces bâtiments. Oh, un casque. Oh, encore un casque. Comme je pense qu'on est arrivé, je vais la laisser sortir, sinon... Pour faire bugger sinon. Oh la double flèche magique là. Attends, ouais, on va tuer les zombies autour, parce que je sens que ça va être le gros boxon. Ah, il y a un truc là. Des vitamines. Ok. Là, nous. Non. Si. Tu peux prendre ça et boucher l'entrée là. Allez, amène-toi la grognasse. La clé de sécurité. Ah. En fait, c'était pour ça que ça servait. Ah. Taxe bien tout, mon petit Lenou. Bon, il y a que la clé de sécurité. La grenade, elle fout quoi là? Bah, elle reste planquée là-bas. C'est toi qui as la clé de sécurité du coup? Ah, ça me pas en commun? Je sais pas. Ah, Qu'est-ce que je tu suis fais, presque au meuf? débarquement.
J'en ai une à mes pieds là de flèche. J'en ai pas mal un peu partout. Il y en a une ici là, vers la buggée. Une là. Contre le truc des trucs de sable. Me demande qui encore une. Putain, si on est obligé de se retaper la caisse parce que l'autre grognasse elle bouge plus. C'est ça qui l'emmerde. Moi, j'ai pas vu de flèche. Tu l'as poussé par là, là. Ouais, je sais pas, je la fais avancer, elle veut pas avancer. T'as vu aussi, il avance. Oh, mais elle va mourir avant d'arriver, ça c'est sûr. Je sais pas, il y a un bug avec la porte, je crois bien. Tu peux essayer de fermer, de rouvrir la porte? Attends, je vais essayer de retourner. Ouais. Tu vas tourner là, là. Ouais, c'est bon, on a gagné. Et j'ai pu récupérer ma flèche. La chauve-souris qui me suit partout, oui, c'est un pet. Peut avoir un pet. Moi, j'ai une chauve-souris qui me suit partout. Et J'ai puis, vu, toi aussi. j'ai checké dans le coffre, il y a des pets qui peuvent peut-être être assez intéressants aussi. Bon allez, on trace, on fouille rien, on avance. Il reste peut-être un petit peu trop quand même là, nous. Ah bon?
J'ai une flèche qui a pété. Ah mais j'entends perdre une flèche. Ah non, elle est là. Bon, j'avoue, elle est pas complètement inutile. Juste à moitié. Oh putain. Non, non, mais là, il y a le chien qui me fonçait dessus. Elle lui a mis un coup de couteau pour ça la stoppe et j'ai pu lui tirer dessus tranquille. J'ai encore perdu une flèche. Ah, elle est là. Ouais, elle sert de punching ball. Ah, ramasse pas mes flèches. Il manque une du coup. Putain, mais il veut pas m'en laisser une. Hein. Bon, je te laisse tout le reste des flèches qu'il peut y avoir. Oui, c'est-à-dire plus rien parce que t'as tout ramassé. Oups, je crois qu'elle s'est pris une flèche. Oups. Vu l'état de sa santé. Putain, ben nous tu fais chier. J'ai un but dans la vie, c'est de faire chier. Elle est morte. Je vais avoir perdu je sais pas combien de flèches là. Ah non, putain, j'ai réussi à en perdre qu'une seule. Non mais non, c'est un morceau de bois. Si tu veux, tu peux lancer la mission et commencer à avancer. Je vais me rechercher des flèches parce que je n'ai plus de plus. Je peux pas, non.
Démission 35. Ah oui, c'est vrai. C'est toi qui es censé farmer, pas moi. Tu veux, je récupère une. Pas le temps. Désinstalle Wakfu, t'auras le temps. C'est pas possible. Ah si, si, il y a juste un bouton à appuyer. Et ça, je veux bien. Hop. Je chope les crampes au bois, au doigt quand j'essaye. Non, je peux le faire pour toi si tu veux. Je suis à toute peine 2 secondes. Tiens, il faut t'occuper des zombies, moi je parle à madame. Blablabla. Démarrer. Bon. Mais pour le collège de ton fils, t'auras temps, on en parlera si tu veux. Attends, je viens de tirer deux flèches, elles ont disparu, c'est quoi ce délire? Ah, à moins que... Ah oui, non, elles sont allées taper le même le mob derrière. Suivez-moi, c'est moi, coucou. Donc voilà. Ah oh putain, elle est où l'autre grognasse? Elle est où la grognasse? En fait, je toucherai pas du tout à la poubelle là-haut et ce sera à toi de le déplacer parce que chaque fois que je déplace la poubelle, c'est à ce moment-là qu'elle arrête de bouger. Yeah. Bon voilà, elle a encore pris une flèche. Non mais sérieux, je suis en train d'achever le zombie, à quel moment il se prend la flèche dans la gueule? Oui, merde. La farandole dans les clubs. Et l'autre, elle va les taper au coup de couteau. Tout va bien. Et si je tire, je vais la toucher. Non, pas là. Ok.
C'est un miracle que j'ai pas perdu une seule flèche. Bon, cette mission commence à me gonfler. Sur autant de chemin, juste pour ça aussi, ça commence à me gonfler. Avoir une perte sèche assez importante de flèches, mais yeah, la battre. Mais merde. Tu peux ouvrir la porte? Ouais, je finis de faire un petit tour. J'en ai déjà fait un pour pendant que tu faisais autre chose, je suppose. T'inquiète pas, s'il faut la faire avancer, je peux. Viens à l'intérieur avec moi? Non. Bon, je vais la faire avancer. Ah mais définitivement, il y a un bug. Ouais, sur cette quête, ouais. Le problème, c'est que là, je dois pouvoir tirer encore deux fois et après. Elle est rentrée, c'est bon! Putain de merde! À force d'y aller comme un bourrin, je consomme un peu des bandages. En fait, ce qu'il faut, c'est juste pas courir. Si t'avances normalement, t'aggro quasiment aucun zombie et tu peux avancer. Moi, gros 15 bis, c'est pas possible. Attends, parce que j'ai lapidé toutes mes flèches dans le coin là.
me manque encore deux. Une là, il me manque encore une. Elle est là. Ah, j'en ai ramassé deux. Donc j'ai dû en ramasser une à toi. Oui, il y en avait deux dans à moi dans le coin alors. Je t'en ai rendu une. Putain, elle a déjà la moitié de ses PV en moins. Oh, fais chier. Si je pouvais lui donner un bandage ou lui en poser un sur la tronche, je le ferais, mais putain. Il y en a encore deux ici, là. Ouais, non. En fait, faut que j'arrête de tirer sur les zombies qui en veulent à ton cul parce que comme ça, je me fais pas attaquer la meuf non plus. Ouais, bah arrête, hein, c'est bon. Ah, mais j'ai plus de flèches. Ah! T'as tout tiré? Ah, putain! C'est pas, je veux pas parler, je veux. Oh, bah elle est morte encore. Hein. Voilà. Là, faut que tu ailles chercher des flèches. T'en as combien juste pour rire? Bon, par contre, cette mission commence à vraiment me saouler. Hein. Une. Je pense que je dois en avoir une à toi parce que j'ai essayé d'en ramasser. Je pense que j'en ai ramassé au moins une. J'essaie d'utiliser mes grenades, mais j'arrive pas à les utiliser. Tu les équipes? Ah bah, sont équipées. Ah, ça y est. Et voilà, putain, mais j'aime bien parce que tu paramètres ton paramètre de tir allié, mais tu tires quand même sur les PNJ, c'est débile. J'avoue que ça, c'est débile.
Alors, tac 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 tac, où est-ce qu'elles sont? Je viens de tirer une flèche dans le vide. J'ai perdu une flèche. Hein. C'est bizarre, quand il n'y a pas l'anneau, il y a moins de monde. Petite pique gratuite. Là, si je l'entre de ce côté du mur, j'appelle pas les chiens. D'accord, ok. Donc ma carabine est totalement inutile. T'as pas pris de balles? Et comme ils sont armurés, ça leur fait zéro. Ah bah oui, t'es obligé de les... Si, faut viser à 100% pour les tirer dans la tête. Mais la première balle fait sauter le casque. J'ai tout Ouais, de nouveau mais du récupéré une coup, flèche à toi. comme c'est une arme à cadence de tir, ça perd tout son intérêt. J'ai perdu une flèche dans le tas. Je l'ai peut-être tiré à travers, t'as peut-être tué le mauvais en plus de touche. Je vise le chien, il tire la meuf. Ok, tout va bien. Ouais, là, t'as arrivé à monter ou pas? Ouais. T'as une flèche juste devant, là. Ah, je vais en ramasser une aussi. Je suis toujours à 30. C'est vrai que j'en avais perdu. Bon, c'est pas grave. Non. Attends, récupère pas la clé de sécurité tout de suite. Hein.
mets juste en place le machin. Non. Voilà. Parce que même si moi je suis pas monté sur le truc, elle s'est arrêtée de bouger quand t'as pris le truc de sécurité. Donc je vais la ramener au max près de la porte. On va faire les choses dans l'ordre. Atteignez le portail. On atteint le portail. Allez, suis-moi. Suis-moi jusqu'au bout. Jusque là. Voilà, c'est bien. Je lui parle. C'est bien. Récupère la clé de sécurité. Ah, elle bouge encore. Non, 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 t'éloigne pas. Viens. Viens. Viens jusque là. Tu l'as récupéré la clé de sécurité? Non. Bon, j'avoue, je suis bloqué. Comme t'es en train de lui parler, j'ai un peu... Peut-être tu me dis récupérer la clé de sécurité, j'ai pas capté en fait. Oh, putain que tu me gonfles, salope. Attends, laisse-moi passer, parce que si je peux pas sortir, tu peux pas rentrer. Elle bouge encore, c'est un miracle. Non, elle bouge que avec les zombies. C'est bon, je l'ai amené jusqu'à... On déconne quoi. Même si on buguait jusqu'à la mort. Non, non. En fait, t'as des armes de corps à corps, t'as des armes de distance, t'as des pistolets mitrailleurs, des snipers, des pompes. Et les arcs. Et la prochaine mission. Oh, 37 la prochaine mission. Yadada. Alors... Arc, arbalète... Arme de poing, fusil d'assaut, carabine. Ah, il y a des explosifs aussi, hein, bien sûr. Comme ça? Tu sais que t'as failli me faire péter avec. Moi je vais au camp. Je te laisse faire l'imbécile avec tes zombies. C'est pour moi, j'y garde, ça j'y garde. Bon, bah, il n'y a plus qu'à aller chercher des pistons. Je suis comment en flèche? Ça me va. I wasn't wrong. They are. At this point, out of if with what in this. Et
Et du coup, c'est qui a des pistons? Tu m'as pas répondu. Panic Room. Ah. Et pour le coup, l'objectif, c'est pas de la faire ensemble. Non, 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 comme ça on aura plus de pistons. Parce que je sais pas si on a... combien on en aura besoin pour chacun des trucs. Je pense qu'une seule la faire une seule fois, ça suffit pour maintenant, mais je sais pas si après on en aura encore besoin ou pas. Certainement. Et c'est qui te la donne, Panic Room? Tu m'as dit tu C'est l'as vu? Kovac. Ah, C'est Kovac qui la donne. je la vois pas, Panic Room. Qui veut la Normalement, elle est dès le donne? début, elle est juste avant une quête où t'as pas le droit de mourir. Ah, elle est là, putain. Ok, oui, elle était. Attends, faut quoi? Trouver la clé à molette, ok. Bah, la clé molette est dans la voiture qui est juste devant avec l'alarme. Il faut le faire à la fin. J'ai la clé de sécurité. J'ai récupéré toutes mes flèches. Je vais tuer 2-3 zombies de plus juste pour le plaisir et pour me faire un peu d'XP. Voilà.
Je vais récupérer deux marteaux. Ah, un piston, deux pistons, trois pistons. Et ça pistonne. Ah, mais. Quatre pistons. J'ai pas vu. Et cinq pistons, c'est bon, j'ai tout. I mean, there is a lot of suspicion going on. Il y a quoi comme famille? Il y a le corbeau. Oui, durée de remise sur pied d'un coéquipier, moins 25%. Juste en complément. 15. 30 le perroquet. Le rossignol aussi. Ah oui, le drone, dégâts plus 25% et temps pour la visée précise moins 20%. Oh, Eugin, durée de remise sur pied d'un coéquipier moins 75%. Réduction des dégâts pendant une remise sur pied plus 100%. Tu prends deux fois moins de dégâts. La chauve-souris, c'est ce qu'on a. Bonus d'encombrement, 30. Ouais, du coup, en vrai, c'est le drone qui serait le plus intéressant. Plus 25% de dégâts et moins 20% de temps de visée. Vas-y, je le prends. J'avais dit que je prendrais rien dans le coffre. Mais bon. J'avais dit que je prendrais pas d'arme à la base. C'est pas une arme. Hein. C'est pas une arme. C'est un équipement. Tout à fait. Par contre, mec, va vite falloir te taire le drone, hein, parce que tu vas vite me gonfler, Guy. Ah. T'en es où, mon pion? Les couilles là. Ah, nocturne, c'est pas possible. Voilà, j'améliore le pylône. Voilà. Ça s'améliore. Ça aussi. Ça aussi. J'améliore la cuisine.
Le truc d'accessoire. Ah, écoute, j'ai tout amélioré et il me reste un truc, donc. Et bah c'est bien. T'ajoutes ce 5. Hein? Je vais dire c'est 4 ou c'est 5 pistons en acier, mais je vais ma réponse en 2 secondes et demie. C'est 5. Oh. On fait un tiroir pour obtenir un tournevis. Ouais, trop bien. Ça c'est bon, allez. Il ne reste plus qu'à ravitailler à fond comme il faut et puis on peut faire le pylône. Ah, c'est tout ce qu'elle donne en XP. Oh la vache. Comment ça? Ah ouais, remarque, j'ai perdu 10% d'XP aussi. Ah, t'es mort une fois? Ouais. J'ai un peu trop fait le bourrin. You again, sort of, you know how, hmm? Oh putain, c'est l'ennemi qui fait chier.
Ah, les nocturnes, s'ils passent dans les pièges, ils prennent cher, hein. Mais est-ce qu'il y a une bande, quelle bande de saloperies nocturnes? Je sais pas si t'as eu le succès, moi je viens d'avoir le succès de tuer 120 sans infecter avec les pièges. Non, j'ai pas eu le succès spécialement. Ouais, mais j'avais dû en tuer quelques-uns moi sur mes précédentes games avec les pièges, c'est pour ça. T'es prêt, mon Tylano? Non, pas tout à fait. Pendant que l'arrivée se prépare, je vais aller voir. Pareil, j'ai des messages sur Discord. Oh, tiens, qu'est-ce qu'il dit, Palia? Ah, mais oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, il sortait sur Switch aussi. Hein? Alia sorti sur Switch? Ouais. Et tu peux le mettre sur ta Switch et tu peux lier ton compte pour garder la même possession que ce soit sur la Switch ou sur le PC. Bon ça. Ouais. Tu pars en vacances, tu peux continuer à jouer à Palia. Oh, franchement, c'est bien ça. Alors, ça, ok. Ça, ok. Ça, faut que je me reprenne un peu, parce que c'est pas exagéré non plus. Ok, bon, t'es prêt, petit à nous? Je suis les Allez, tout. on va dire que oui. De toute façon, on sait que les pièges vont faire tout le taf. Ah bah là, pour le coup, oui. Même pas la tête, hein. Ils ont fait un trou dans le mur sur la droite. Ah non, ils ont pas fait de trou dans le mur encore. Il faudrait que j'aille le réparer.
Ah, ça vient de respawn. Mais c'est vrai que je peux pas rire. Ah putain, ça y est, ils l'ont pété. Respawn. Oh là là. Ils sont en train de tout péter, hein. Va falloir que je refasse les pièges après. Tu peux aller faire un tour sur la gauche, voir s'il y a rien qui tape sans se faire tuer. Ouais, je pense que ça respawnera plus, là. Il reste 7 secondes. Il y a un autre fait à la perfection. Ah oui, il y a effectivement il y a un truc qui a pété là. Et papy pas la part. Pété sur ce côté-là. Ah, enfin bon, avant qu'ils arrivent, ils arrivent à passer, il y avait encore la marge. Hein. Non, non, mais là, nous, justement, ils sont arrivés, regarde, ils ont pété là, là. Ils sont rentrés ici. Ah, et puis ils tombaient sur ces machins-là, du coup. Oui, oui, bon, je les ai tués avant, mais. Ces machins-là, comme tu dis, ils en ont pété un dehors. Bah, c'est pas étonnant, hein, attends. Hop, piège. Hop, non. Non. Ça continue à tourner. J'ai perdu 4 flèches dans la bataille. Ouais, ça va. Bref. T'as monté le camp au niveau... Non, au niveau 35. Non, j'ai rien monté du tout. Même pas si je pourrais monter le camp de niveau étant donné que je suis pas au niveau actuel du camp. Bah regarde si tu peux en mettre de l'XP dedans ou pas. Ah si, je pourrais. Ah non, attends. Ça c'est moi. Si, je pourrais.
Il faudra que je fasse un test. Ouais, le prochain pylône est bien au niveau 40. Mais faudra pas que je le fasse avec toi parce que tu risquerais de prendre peur. Ça y est, j'ai peur. Ouais, il me manque 3 pistons pour monter le grand niveau. Enfin, monter les bâtiments qui restent. Donc au niveau 36, on a une quête de Madison et une quête de Kovac. J'espère que Dorota va arriver à se détendre. De toute façon, normalement, je parlerai avec lui après Christella. Ouais, les ressources commencent à se faire un peu just, hein, je trouve, mais bon. I wasn't wrong about you, Survivor. I'm almost never wrong. I'm sure. Day after day, I watch you make progress. And at this rate, if nothing changes, something we all hope for. Ah, what will become of me when I have nothing more to teach you? For. We've got a new problem, sir. For several days now. I've noticed the power to my pylons has fallen off from time to time. I was about to start questioning the quality of my facility. That obviously can't be the reason. And do you know what the problem is? No? Well, I'll tell you. When they run in their little wheels, they end up dislocating something and losing power. I anticipated the problem and put a few... Unless somebody helped them. Redie. I'll look into it later. But that doesn't matter.
For now, I'm out of stock, and you're going to have to... I spotted a few nice specimens in a backwater not far from here. So, I need you to guide... I'll come get them in due course. You get the idea? And don't damage them, obviously. Or... 5 plaques en acier, 20 morceaux de charbon. Ouais. Alors, j'ai presque pas envie de faire la mission de Kovac aujourd'hui parce que je sens qu'elle va nous faire chier. Non. Je pense faire une dernière mission et après mon... enfin, et après m'arrêter là. Mm-hmm. Donc, Kovac, en fait, il veut... Il dit que les problèmes de communication qu'il a, c'est à cause de ses zombies et qu'il faut des zombies de rechange, donc il faut qu'on attire dans des pièges. Je le sens moyen, la mission. Une excellence, Kovac. Alors, échange de bons procédés. Donc Super Madison demande d'aller voir à l'endroit où elle a été séparée de ses parents pour voir s'ils sont pas retournés. Et elle nous file 2 chaînes en acier. Ouais, vas-y, je suis chaud, on va faire celle-ci. Par contre, c'est une mission, on n'a pas le droit de mourir. Celle de Kovac aussi l'été. De toute façon, je pense qu'on va avoir que des missions où on n'a pas le droit de mourir maintenant. Bienvenue dans la forêt, mesdames et messieurs. De toute façon, l'objectif c'est de pas mourir. Hein. Pourquoi je peux pas? Ah putain! Qu'est-ce qu'il y a? C'est pour ça? Non. Je pourrais pas faire l'artisanat planté? Non, c'est autre chose. Peut-être que t'as pas le niveau pour faire l'objet que tu veux. T'es monté à niveau 36 du coup? Non. Ouais, je commence à tuer les premiers mobs. Ouais. Ok, avec ce que j'ai amélioré de l'arc, je tue les zombies one shot, hein, quand t'es pas là. Les gros, je parle. C'est bizarre. Ou alors c'est un bug, je sais pas. Alors, Madison. Je suis en train de me dire, elle est partie où ma flèche? Je vois qu'il y a un deuxième zombie qui est mort plus loin. Ok. Quelle idée de se balader en famille dans les marais quand il y a des zombies partout aussi. Franchement. Ouais. C'est sûr que c'est une idée bizarre. Drones sont un petit peu chiants. Légèrement.
Gauche, c'était. C'est un nocturne que t'as sur le dos? Non, à deux, on les one-shot pas. Ah, peut-être que toi tu one-shot, moi. T'es peut-être plus monté que moi en arc. Ouais, je suis 6. Ouais, donc t'es plus monté que moi en arc. Voleur de flèches. Non, je t'ai pas vu. Je l'ai pas touché. C'est vrai, j'ai tout récupéré. J'ai touché tes flèches. Il est où? Je pense que j'en ai tiré une dans le vide. Celle-là, elle était pas dans le vide. Charge du pélican. Il y a 5 flèches qui se baladent. Tiens, on l'a deux. Ça, c'est celle qui me manquait à moi. Que je vais tirer dans ce sens-là. T'aurais pas dû parler à Roscoe à l'arrache. Quoi? Parce que ça a déclenché un chrono. Ah. De ce côté-là, c'est un cul-de-sac. Jusque dans le camion. Donc c'est vers toi, elle doit être la caisse. Ouais, il y a un camion qui est là. Ouais, un camion avant aussi. Et la caisse, elle est là. Attention, on fait un ménage. Tu peux tout récupérer parce que j'avais des flèches à toi, j'ai tiré que celle-ci. Merde. Allez. Dégage le cleps, j'ai un cleps au cul là. Non, derrière toi.
Mais je vais peut-être avoir un peu de temps pour faire un peu de farmage là, comme je vais t'arrêter à un bon moment. Putain, la caisse est en traviole, j'arrive pas à la monter. Ah, c'est bon. On parle pas, Roscoe, on finit de fouiller d'abord. Ah, un zombie. Ah, flèche. T'as récupéré toutes tes flèches ou pas? Non. Ça, c'est un bâton. T'en manques combien? 7. Il y en a une là, sous le bâtiment, donc celle-là tu pourras oui, pas la voir. Celle-là, elle est morte. Donc 6. Ça fait quand même, hein? Ah, il y en a une là. Dans les escaliers. Ouais, c'est pas grave, parce que c'est la tête. Comme j'ai dit, je perdrai moins de temps à refaire la mission récupérer des flèches que de me casser la tête à... Parler à Roscoe, savoir ce qu'il a à dire pour sa défense. Elle explique bien cette mission. Elle est courte, assez simple, pas trop merdante. Il y a moyen que je monte dans le niveau juste pour. Coco. J'ai tiré 3 flèches là. Ah. J'ai récupéré une flèche à toi. Ouais, parce que là, tu vois, tu nettoies en haut rapidement là pour aller chercher la caisse, tu la ramènes tout de suite, et puis t'es tranquille. Mais le collecteur dans les épaules, mais c'est pas fini. Ça sent, il y a une autre sortie pour aller chercher le coffre. Peut-être. Aïe. Il y en a une vers moi là. Enfin même deux. Il y a un crocodile dans la flotte. Faut oui. Le tuer. T'as dû piquer une flèche à moi. Ah c'est bon, j'en ai trouvé une là. C'est que mes flèches elles vont, elles viennent, elles disparaissent, elles reviennent, c'est...
Ouais, si tu tires sans viser. T'as plus de chances de les exploser. Alors. T'en as deux sur le rebord de l'autre côté. Et t'en as trois ou quatre au milieu. Ouais, bon, allez, hop. Fais gaffe, y'a un croco là encore. Il arrive. Tue-le. Il y a une porte de chaque côté. On va commencer par la tienne, je pense que ça mène au petit coffre qu'on avait vu qu'on doit pouvoir déverrouiller puisque j'ai récupéré la clé de sécurité dans le dans la maison des parents. Mmh. Fais gaffe, il y a un autre propos. Tout est au milieu, il n'y a rien sur le bord. T'en as encore trois là vers moi. Encore deux là. Pourquoi ? Allez ! Tiens, récupère celle-ci. Là, tu m'as consommé mes flèches alors que... Ah, sa mère ! Non, non, j'en ai trois à toi. Ah. Par contre, putain, les bandages. Parce que compte que les bandages, t'as court. Les bandages, il m'en reste 15, j'en ai pas utilisé un seul. Et je peux attirer le prochain croco, hein, si veux. Parce que là, tu les as tous fait. Par contre, on risque de s'en taper un gros en boss, hein, je pense. Parce qu'il disait que la mère avait mordu le père, donc à mon avis, elle était zombifiée. Ah. Et que ensuite, il y a un énorme alligator qui avait gobé les deux et qui les avait entraînés dans les égouts. Effectivement. Bon, allez, passez-vous ma flèche. Je l'ai récupérée. Ouais. Ça va, ok. Oh, alors ça, c'était un move, mais tellement magnifique. Magnifique. En fait, le zombie, il était loin, il me voyait pas, et j'ai eu le temps de lui mettre trois flèches et de l'assommer pour pouvoir l'achever avant qu'il bouge. Magnifique, n'est-ce pas? Pas mal. Il y avait rien en bas? C'était un cul-de-sac. Attends, je vais aller vérifier, parce que, histoire de dévoiler la carte.
Tac. Au-dessus, ça monte. Ouais, ce que je voulais voir, c'est... Je pense pas que ça monte là, mais... Non, là-bas, non, ça montait pas. C'était abrupt, tu pouvais pas. Ok. Je pense qu'on est arrivé au boss, hein. Tu vois la zone, tu sais tout de suite que ça va être la merde. Yep. Alors, il y a plusieurs cocos. Plus de bandage. Bah, barre-toi. Hors de question. Je suis triste que ce soit pas un crocodile géant. Et bah alors pour le coup, vu comme ça aurait été chiant, non, je suis pas triste. J'ai 4 flèches à toi. Hein. Si jamais. Je pense que j'ai fait à peu près tout le tour. Hein. Bah écoute. Là, voilà, elles sont rendues. Je sais pas combien de flèches j'ai perdu au total, mais beaucoup. Et voilà! On a fait combien de temps? 2h44. Pas mal. Alors, Super Madison and quoi? Oh, alors la prochaine mission de Madison sera très intéressante parce que niveau 37, sa mission donne 10 pistons en récompense. Ça me donne presque envie, tu vois, de faire monter le camp d'un niveau juste pour faire la mission. Alors, hop.
Après, ça dépend de la longueur de la mission par rapport à la petite mission qu'on a qui nous permet d'en avoir 5 mains. J'avoue que si je peux essayer de farmer un peu d'XP avant de faire les prochaines missions, ça pourrait être pas mal. Je te dis, si tu veux, je te montre le camp niveau 37. Hein. Ouais, mais tu pourras pas faire la mission de toute façon. Ah non. Alors, je suis en train de faire un truc tout à l'heure. Ah, ça devait être ça. Quand t'es en mission, je pouvais pas crafter. C'est bizarre. Bon, c'était peut-être un bug, mais tous les cas, c'est ce qui s'est passé.
Eh ben. Ouais, bah la prochaine fois on fera la mission de Kovac et boum, direct on pourra passer Et au boum, t'as fait 37. du choc à pic. Et puis du coup on a même pas vraiment besoin de farmer la mission des pistons puisque celle de... Enfin, si, on va avoir. Parce que moi j'ai besoin de farmer un masse XP alors. Comme moi, contrairement à toi, je compte bien monter tout. Ouais, mais pendant qu'on avance, t'es pas obligé de tout monter, tu pourras le faire. Après, moi, si j'ai l'occasion de monter tout, je le ferai aussi, hein, mais... Non, faut juste te prendre un peu de temps pour le tuer en dehors, c'est tout. Mais je te dis, je devrais pouvoir avoir plus de temps. C'est mardi, c'est ça? Ouais. Attention, je suis arrêté minimum 15 jours. Hop, un petit raid chez Hero. Je me souviens plus jusqu'à quand t'es dispo. Ce week-end, non, ce week-end t'es pas dispo, c'est ça? Non. Hop, en tout cas, merci à tous ceux qui ont été là. Merci Dorota, Christella. Et là, nous qui sont passés dans le chat. Voilà. Il est encore mort de rire. Donc, je vous Ouais, envoie. Oui. je suis toujours content de mes conneries. Vaut en rire qu'en pleurer, comme on dit. Bon, allez. Bonne fin de journée à tous. Bonne soirée. Et à demain. Salut. Bye bye.